La célébrité que lui apporte la nouvelle Héloïse sera de courte durée. À leur publication, en 1762, le contrat social et l'Émile sont interdits par le Parlement de Paris. Rousseau, décrété de prise de corps, doit quitter précipitamment son refuge de Montmorency pour éviter son emprisonnement. Après le scandale de la lettre à D'Alembert sur les spectacles, ces deux livres marquent sa rupture définitive avec les philosophes des Lumières. Il s'agit d'un homme dont les ouvrages ont été brûlés en public, dont Voltaire réclame la tête sur un billot, Voltaire, le grand prophète de la tolérance.